Salut à tous, on se retrouve avec mon acolyte. Petite pause, aujourd'hui on fait découvrir un monument historique de renom à Sceaux, le parc. Je vous fais n'est donc pas un monument. C'est ça, je vous fais déjà un petit aperçu de... Ah mince, je peux pas tourner la caméra. Ok, je la tourne dans la main. Attends, je veux pas qu'on fasse d'abord la présentation. Ça c'est l'allée principale, non, oh, un ballon. Le contrôle. Oh là là, Ronaldo, pardon. Je passe tout de suite, comment il s'appelle le mec qui présente ce secret d'histoire? Stéphane Bern. Stéphane Bern qui va nous présenter aujourd'hui le parc et le château de Sceaux, c'est à vous. Alors, enchanté. Je commence à faire l'imitation. Vas-y. Wesh, du coup on est au parc là. Alors, pour donner 2-3 infos, alors le parc il était possédé par Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, si je dis pas de bêtises. Et donc au début il possédait juste une partie avec le château. Attention, on monte le château. Voilà, c'est beau, c'est stylé, on peut pas zoomer. Non, là il y a Paul. Faudrait faire. Là ça fait la miniature, je sais pas si c'est bien, mais voilà. Comme ça, l'attaque. Voilà. Du coup, plutôt bel endroit. Et donc à début, c'était juste le château. Il y a devant, il y a des jardins faits à la française par le jardinier de Versailles. Voilà. Tout ce que je vous dis là, c'est ma mamie qui me l'a dit depuis que je viens. Ouais, ça joue à la boule, c'est incroyable. Balle de ping-pong en tant que cochonnet. 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 Dédicace à Florian, cochonnet. Cochonnet. Ah oui. Et du coup, donc tu posais le château et la grande allée devant là, que vous voyez, qui s'étend de là-bas jusqu'à là-bas. Donc il y a 2 km entre le bout de l'allée et le château. Et ensuite, après, comme c'était un monsieur très riche qui avait beaucoup de pouvoir, vas-y, on passe dans la pelouse. Comme c'était un monsieur très riche qui avait beaucoup de pouvoir, il a acquis les terrains aux alentours. Et il a acquis le canal qui est là-bas. Vous pouvez chercher des photos sur internet parce que c'est un peu loin, on va pas marcher jusqu'à là-bas. Donc putain, il y a des gens qui pique-niquent, qui mettent la musique et tout, c'est incroyable. J'ai vraiment l'impression que c'est l'été. Et donc voilà, il y a un grand canal, il y a mis des statues, etc. Mais là il y a quelque chose. Là. Viens là sur la. Viens sur. Viens là. Là-bas. Où ça? Où ça? Ah oui, là. Plutôt stylé. Par contre, du coup, on est le dimanche de Pâques, du coup, bah il y a un monde fou. Ouais. Mais Je vais pas rester chute, non, vas-y, je viens mais dire. Voilà. Je vais rien dire, mais les gens sortent, il fait beau, je crois. Ah ouais, non, mais là, c'est l'été là. Il y a je vois pas le rapport. Tout le monde. Ouais, tout le monde qui sort, c'est fou. En plus, on était là en premier parce que ça fait une semaine qu'on va se balader dans ce parc. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on n'a pas bougé. Bah, on prend nos skis, tu vois. Ah. Non, mais vous rigolez, ces petites allées, elles se descendent super bien. On crée des bosses et tout. Et ouais, en vrai, tu sais que c'est une super idée. C'est un vrai kiff. Hein. En vrai, c'est pas con comme principe. Je suis sûr qu'il y a des gens qui le font. Je sais, Antoine. Voilà, du coup, plutôt pas mal. Il fait beau. En mode presque vacances, hein, même si on, dans 30 minutes, on est de retour pour bosser, mais. Voilà. Moi je trouve que c'était un super house tour du château de Sceaux. On va continuer notre petite balade là. En plus, wesh. Ok, du coup on fait des bisous. Viens là Antoine, on leur fait le mot de la fin au soleil avec le soleil qui éblouit notre doux visage. Ouais, et bah écoutez, passez un bon week-end de Pâques, profitez de vos familles et je vous embrasse. Et puis les concours approchent, mais allez là!